So, good evening, everybody. Really happy that you still have taste for these meetings, despite that you are during the session. Hope, despite the pandemic, everything will be fine with us, with all of our dears. And I congratulate you that you still have this energy to meet all together and to discuss about whatever, let's say, problems or situations there are in your lives and in your student life. First of all, I would like to thank you for inviting me. We are very proud, let's say, about you, about our university, which is becoming, let's say, more recognized for its strong international presence, and we are continuously preoccupied to ensure that the university will gain further global leadership and recognition as a leading medical school, well known on the international and national level for the excellence in its educational research program. And with you, together with you, we are developing more and more the dialogue with other universities in the country and abroad in the best interest in of improving the process of education, of research, innovation in the medical field, actually. And altogether, we are trying to develop our partnership relation based on universal values of education and research with public institution, with private entities that have definite interest in improving health services in the context of the principle promoted by the European Union, which is health in all policies. Proud again also because this year I could see more students than last year, than the last 2 years, more students applying for Erasmus mobilities abroad in different and in various countries. And not to forget also the participation in the international scientific events, maybe not so strong in the last year due to the well-known conditions, but once again, this is possible only with and by our students. Finally, I would like that we are also involved and continuously preoccupied to develop the joint educational programs and, let's say, between university programs with other university, either for the student and for the teacher exchanges. And I really hope that, okay, Romanian won't come probably very soon an international language, but as long as you are ambassadors of our university when you are going back into your countries or in other countries, I could hope that our culture, our knowledge and everything is promoted by our university could be well known by other people from other parts of the world. I really enjoy being with you and hope you'll always find a way to put together other cultures, other ideas, different ideas, and to be somehow united. Thank you very much for your invitation tonight. Thank you so much, Prorektor Faya, for your very nice introduction. As you said, you know, this is a very special occasion for us. We have some international students, and we would like to share our joint experiences on how, because for everyone, their experience is different. We've been here for so long now. And Yash has become a second home, and you know, with good things come some bad things. So today we'll just discuss and see how our experiences have been, and how we've seen Yash change over the years. Great to be with you. Okay, good luck. Thank you so much. Thank you so much.
Merci beaucoup, professeur Foya, pour cette introduction. Je voulais vous remercier déjà pour cette année passée à vos côtés, avec l'équipe de conduction, pour tous les différents projets qu'on a pu mener, que ce soit l'EMSA ou la MSFI, le soutien permanent aussi des professeurs, du recteur et de l'ensemble des pro-recteurs dont vous faites partie. On est énormément en collaboration, vous et professeur Iliescu. On est ravis d'être là ce soir parce que c'est la première collaboration avec l'EMSA, justement, ce soir. on n'espère pas la dernière, justement. On est ravis de ce soir de pouvoir partager aussi notre expérience de vie à IH, une ville qu'on a vu grandir aussi, qu'on a vu évoluer d'année en année. Je suis en quatrième année, Poundrick, elle est en sixième année, donc elle aura plus de choses à dire. Et Karine aussi, qui fait partie de l'association. Et on est super content de pouvoir partager cette expérience et vous faire un retour aussi à vous en tant que professeur. Merci. Merci Camille pour votre parole. Merci aussi et bonne chance. On va commencer. Du coup, on commence. Poundrick, you want to begin? Yes, sure. We can start with the English part of it first. Okay, perfect. So we have with us today two of our colleagues. We have Vlad and Richard. I would like each of you to just tell us a little bit about yourself and your experience here in IASH. If we can start with Richard, perhaps, because I know you're in the sixth year. Yeah, I'm very happy to be here. Thanks, Poundrick, for the invitation. Like Poundrick said, I'm in the sixth year. I was born in Ghana, and I grew up most of my life in Ghana, and I lived in London for the past 22 years now. So I have both the experience of growing up in Africa and also having the experience of living and working in the UK. So I took a very good decision to study medicine, and I was so grateful to have found that UMEFE IASH has given me this opportunity to study here. Before I came, I was a bit anxious, obviously, because I have not really visited or even heard much of Romania. But I did some basic Google searches, and I saw that it was a very good place to live, and the people are very happy, and you know, the people are very friendly. So I applied and God being so good, I got accepted, and I embarked on my journey to study medicine in IASH. When I came here, the people were very friendly, like I read on the internet, and UMEFE was also a very good place to study. There were things that obviously 6 years ago were not there when I started, but now a lot of things have changed. We've had some new buildings, like the building in I can't remember the name now. The new building, the simulation center, yes, which is very, very, very good. I've had two classes there, and I might say it's one of the best in the world because of the state of the art technology that is there, which facilitates learning. It's rather unfortunate that it's just been open now that I'm in sixth year, but you know, it's. I think that for the people in the junior years, they will have a lot of opportunities to have hands-on practice in the center. One of the things that I would like to say is that I would have loved to have had more opportunities to learn the Romanian language. I know that in the first and second year we had some classes, but I am afraid it was not enough, and I actually had to take some extra private tuition with a lot of my colleagues, which was okay, but it was not part of the curriculum. But so we were pressed with time to find time in our spare time to study Romanian language. So You're a Romanian girlfriend, Richard. Well, that was that would have come very handy. So maybe I should have done that. But
I think that we could do more as students and also as educators to encourage more, the international students to be more integrated in the local culture. And the only way, the most significant way to do that is to learn the language, I think. And we'll be very grateful if you could find a way of, you know, doing that for us. What else? Apart from that, everything else has been positive. I'm very happy that I studied here. Another thing as well, I've been thinking lately, what can I do? What can I do when I graduate? What can I do for UMFA for giving me this opportunity to study here? I mean, in any capacity whatsoever, I would love to be part of the broad community to, you know, give back to the students and also to represent UMFA in a strong, positive way. So we should think, and I think it's not just me, but most of my colleagues who also, you know, want to do something, not just to UMFA, but to encourage more international students to come and study in UMFA. So I think that's it. I'll stop wobbling now and let Vlad speak. So before Vlad starts, I have a question for you. So so we are talking more about how your experience has been in Yash and at UMFA. Have you faced any, do you feel that you faced any form of discrimination or from when you started initially until now, have you seen changes? Well, when I first started, one of the things that I found quite interesting was, first of all, there were not many Black people in Romania. So I felt that some people were a bit, I wouldn't even say discriminatory or racist, but I would say more of curiosity. So you find people staring at you, trying to take photos of you, trying to touch you. So those are the things that, you know, of course, when I'm walking down the street, I forget, I don't look at my skin color. I forget that I'm Black. So it's a bit awkward for people to be looking at you and to be trying to take photos. But I found that quite interesting. I felt like a local celebrity, if you know what I mean. In terms of other serious aspects, for me, not really. I live in Green Park, which is in Tetaraj, and there's quite a big Roma or Gypsy community here. But I have not had any problems whatsoever. I mean, they're all friendly. They look at you, they giggle at you, don't take photos of you. And I haven't had any major problems at all. Yeah. Okay, thank you very much. With that, Vlad, I would like you to just give a little brief introduction about yourself. Yes, thank you. Thank you, Pondrik, very much. Thank you to everybody who come to this conference. Thank you, Richard, for your point of view. So my experience in Iași is a little bit different because actually I'm Romanian, but I was born in Moldova, in the Republic of Moldova, in Chișinău. So I applied here just because I was very interest in medicine and I wanted to do it abroad, not in Moldova. In Moldova you have just one university of medicine. So I really chose the Iași because I hear that here we can do a quality studying. It was also in the European Union. At the end you have a good diploma. And during my studying, I was convinced that it's like that. You see a lot of professors that are very motivated and they motivate us to do what we want more. And also my situation is specific because I'm the French section. So at the beginning, as I graduate my high school in the Republic of Moldova, I had to choose just if I'll be here in English or French section, or should I like stay one more year and repass the admission exam? So I choose to be in the French section, but I didn't regret it because I say that in all about the university, it's not just about studying, but it's always the friendships that you are making.
I have a lot of friends that I knew just because I am the French section. So I really hope to keep these friendships all my life, because if you understand, like, it's 6 years of your life that you spend with these people. So it's very interesting. And also in the past years, I see a really many Moldavian people or Romanian, but they are living in Moldova, trying to come in Iași or in Romania to study. So even I have colleagues from Moldova that are asking me how they can come here. Andrei, do you have another question? Yes, so I wanted to ask you, so as a Moldovan, you're not very far from home. Yeah. have you faced any challenges here that would be specific to you? Because, you know, for us, we're quite far from home. Yes, so I will not say that my experience was so difficult, but I came here at 18 years old. So actually, my experience was just the growing here and meeting a lot of new people and like being mature already, because before I was near my family and it was a different experience. About discrimination, I don't know. I mean, yes, at the beginning I had a pronounced Moldavian accent. Now I have it, but not so, or maybe I have it right now. And I know a lot of people that when they hear, oh, you're from Moldova. Yeah, I know you have like the chocolates, Moldavian chocolates or something. So they're really happy to see some people that comes from Basarabia. And I will not say that it's so discriminative. I didn't face it, but I want to mention, as I have a lot of friends that come from the Morocco, and I was with them, and I faced some people that were some like discriminative for the Arabic people. I saw that, but for the Moldavian people, no. Pundrik, thank you for the question. Okay, thank you very much. So I can also add to that. I'm from Norway, and it was the same story. I wanted to pursue medicine, and I had some friends that were studying here, and they really were able to integrate into the Romanian society. And one of my friends still lives in Bucharest. She never went back home. This is her home now. And I hadn't heard, I didn't know much about Romania at the time. The impression that we have in Scandinavia is not the best, or at least then wasn't the best. So I came here, and for me, it's been a blessing. UMFE has given us the opportunity to realize our dreams and to become something and make a mark in life. And I think, especially us that are graduating, we owe it to ourselves and to be amazing ambassadors for our university, because, you know, our university is a reflection of us and we are a reflection of it. So I personally haven't faced, because I think people are not able to really understand where I'm from. So they don't really know if they should discriminate me or not. So in that way, I haven't really faced much, but I, of course, I have colleagues and friends and many examples of, you know, taxis has been an issue before Uber and came up. But I think, you know, with time, and I think as more foreigners came in and people have become accustomed to seeing different skin colors and different people, that it's become easier. It's not that rare anymore. And also, you know, Iași has developed so much, and even UMFE has flourished. We are, like Richard said, we are very jealous of the simulation center and the Leon building, and
you know. So when we had some classes when we went there, we were just awing and awing to see, you know. So it's we're very proud. I know a lot of my other colleagues as well, you know, moving forward in the next few years, you know, our universities is going to go far. And we're going to look back and be very, very proud. And nostalgic, definitely nostalgic. So Camille, I would like to forward it now to you. Thank you very much. And thank you to everyone for listening to us. And if you have any questions, please don't hesitate to ask. Thank you. I have some question for you, Pundik. What are you feeling after 6 years here now? The ASAP node, your bilan, comment on dit bilan, final, your feeling after 6 years here? Oh, it's very bittersweet. For me, Yash is like home. I've spent a lot of time here, traveled a lot in Romania and going back. I don't know, like it has a very special place in my heart. And I think I will be one of those people who would come back to visit Romania on holidays. And because it's beautiful, the country is so big, there's so much to see. I would really recommend, you know, the students who stay for Easter and other breaks to try to travel around and see the country. You know, you are here from away from home, but make the best out of the time. It's going to fly by so fast. And even to you, Camille, you know, try to travel a bit. You know, UMFE will give you some opportunities to travel, go to congresses around. Hopefully with, you know, with the COVID situation, we can hope that it'll be under control. So you will have some time to experience and explore Romania. But it's very bittersweet. And also, you know, with Yash developing as much as it has, so fast, you know, it's exciting. It's exciting to see where it will be in a few years. Thank you. Pleasure. Je vais parler en français, du coup, cette fois-ci. Du coup, je présente Karine. Tu es là, Karine? Oui. Ton micro. Bonjour. Je vais présenter Karine qui est arrivée la même année que moi, du coup, qui est en quatrième année de médecine dentaire, que professeur Foya doit bien connaître, effectivement. On va commencer. Je vais poser la question, Karine. Pourquoi déjà tu es venue ici et quels sont tes ressentis maintenant après 4 années vécues à Yash? Quels sont tes ressentis par rapport à la vie ici? Pour commencer, on va commencer comme ça. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence, tout ça. C'est bien de rencontrer et de discuter avec d'autres personnes. Je suis venue ici parce que Yash m'a permis de faire le métier que j'avais envie de faire. La médecine, c'était une vocation depuis toute petite. Je suis ravie d'étudier ici à Yash. Par rapport à mon expérience, moi je triche un petit peu puisque je suis roumaine, donc être à Iași, ça me permet, je ne me considère pas comme une étrangère du coup, puisque j'ai beaucoup voyagé en Roumanie depuis toute petite, et du coup être à Iași, c'est un peu comme être à la maison, c'est naturel d'être ici, je maîtrise la langue, donc c'est vrai que c'est un plus et c'est un bon point positif pour vivre ici. Mais je ne connaissais pas la ville. La ville, c'est une très belle ville. J'ai trouvé, quand je suis venue ici la première fois, j'étais très agréablement surprise de la prestance de la ville, de l'entretien, de tout ce qui est organisé aussi. C'est vrai que ça change de là où je vis en France. Donc, c'est plaisant. On s'y plaît bien. Du coup, toi, en tant qu'étudiante franco-roumaine, suisse, du coup, tu as une triple nationalité. Donc, est-ce que tu as déjà vécu des sortes de discrimination ici? Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on a une double nationalité, par exemple, moi, je suis français, mais je suis aussi d'origine marocaine. Au Maroc, on est considéré comme des Français, pas des Marocains. Et en France, on peut être considéré comme des Marocains, mais pas des Français, etc. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ce type de discrimination, justement?
Pas que je sache. Après, la plupart du temps, c'était plutôt « qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Voilà, les gens ont tendance plutôt à dégrader leur propre pays dans lequel ils vivent. Donc, du coup, c'était plutôt des questions « mais alors, qu'est-ce que tu viens ici ? La France, c'est beaucoup mieux. » Par rapport au fait que j'étudie après ici et par rapport au comportement, entre guillemets, de la population, j'ai jamais connu de problème. Après, non, j'ai pas eu de problème de discrimination, à part, voilà, on me demandait souvent, mais qu'est-ce que vous faites ici? La France, c'est tellement mieux. Alors, bon, parfois, j'essaie d'expliquer qu'en France aussi, il y a des choses qui vont pas forcément. Et tout n'est pas parfait, il y a des problèmes partout, de toute façon. Après, au niveau de l'intégrité, j'ai pas du tout à me plaindre. J'ai eu toujours des propriétaires super gentils avec qui je me suis toujours très bien entendue, parce que le fait aussi de parler roumain au quotidien permet bien évidemment d'avoir des facilités et de s'entendre facilement avec la population ici. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment tout comparer dans tous les pays parce que chaque pays a ses propres idiosyncrasies. Du coup, c'est assez complexe quand même de comparer. Chaque pays a ses faiblesses, mais chaque pays a ses forces. Et je pense qu'en Roumanie, on est très, très bien lotis, je trouve. Même là, je pense, cette période de confinement, justement, où personnellement, je l'ai très bien vécu ici. On a quand même eu beaucoup de chance par rapport à nos amis qui sont en France, qui, eux, ne sont pas allés au restaurant depuis un an et demi, quand même, à compter. Et du coup, c'est pour ça. Même auprès de l'université, qu'est-ce que tu en penses? Genre, toi, maintenant, en 4 ans, moi, je pense que tu as dû voir beaucoup d'évolution, quand même, au niveau même de l'équipe de conduction, de l'écoute aussi des professeurs, de la collaboration entre les étudiants, les profs, et le dynamisme aussi. Je pense que, moi, après, je pourrais en parler un peu, mais ton ressenti par rapport à ça, Karine? Mon ressenti par rapport à ça, c'est que, bon, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été très compliquées au niveau de la communication, puisque parfois tout n'était pas forcément clair pour tout le monde, que ce soit d'ailleurs le corps professoral ou le corps des étudiants. Mais je trouve quand même que pendant cette période, il y a eu quand même pas mal de compréhension par rapport à notre situation qui parfois nécessitait de comprendre en fait la difficulté de certains qui des aménagements, c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que au niveau de l'organisation, en tout cas en médecine dentaire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En tout cas, on s'est battu pour que les choses s'améliorent et de toute façon, on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Il y a de la communication, il y a de l'envie de faire progresser les choses dans le bon sens, notamment améliorer les conditions d'apprentissage, les conditions d'enseignement. Bien évidemment, la communication entre les étudiants et le corps professoral doit de toute façon être améliorée. Mais moi, je trouve quand même que c'est déjà bien. On va faire en sorte que ça continue comme ça parce qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de progrès et beaucoup de choses à faire tous ensemble. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup aussi à l'université, c'est cette réelle envie, cette volonté aussi de la part des professeurs, de la part... Aussi, je l'ai beaucoup remarqué depuis qu'on a créé la MSFI, cette relation qu'il y a entre l'équipe professorale, l'équipe de conduction, cette réelle envie de toujours dynamiser et de faire progresser en fait, sans cesse, de jamais s'arrêter. En fait. Et ça, c'est vrai que c'est motivant, que ce soit, je pense, pour professeur Foya pourra nous le confirmer ou pas, je pense que c'est aussi motivant pour les professeurs et ce dynamisme de la part des étudiants. Et nous, ça nous motive encore plus parce qu'on voyait toute cette implication, en voyant que ils prennent du temps pour nous, on a envie encore de rendre en fait à l'université cette chance qu'on a d'étudier ici et de pouvoir accéder à ce futur métier qui pour moi est l'un des plus beaux métiers qui puisse exister. C'est vrai que j'ai remarqué aussi avec l'association, quand on organise des événements et que par exemple, j'ai été amenée à contacter certains professeurs pour représenter par exemple le marathon médical, c'est vrai que les professeurs étaient agréablement surpris, je pense en tout cas, c'était mon ressenti quand j'ai discuté avec eux, ils étaient quand même contents qu'on pense à eux. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours essayé aussi au fil du semestre de toujours les remercier et de leur faire voir que regardez le travail que vous fournissez, il est super utile et en fait, c'est grâce à ça en fait et cette dynamique-là qu'on pourra aussi
ben, après cette pandémie, remotiver les troupes, parce qu'il faut aussi dire qu'avec la pandémie, il y a eu pas mal de démotivation parce que ben, c'était une période compliquée. Voilà, donc c'est vrai qu'avec l'association et tous les événements que l'association a pu organiser pour aussi montrer qu'elle était finalement, qu'elle représentait quand même pas mal d'étudiants, enfin tous les étudiants, eh bien, c'est vrai que ça fait du bien. Et les professeurs, je pense ils sont ravis pour ça, puisqu'on est là et on a envie d'avancer avec eux. Non, c'était une très bonne année. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'être vraiment en pandémie avec tous les événements qu'on a organisés, avec cette réelle envie de la part des étudiants, de la part des professeurs, tous les événements. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression vraiment d'être en confinement. Et je pense que vous aussi, professeurs, vous pouvez en attester de ce dynamisme de la part. Oui, pendant la pandémie, ils ont été telles des conférences aussi de l'EMSA, aussi de votre organisation. Et Karine a raison, c'est une discussion ici fructueuse entre vous, mais je crois que, en tout cas, normalement, c'est entre vous, pas avec les professeurs, de mon opinion. Peut-être que vous pouvez être plus sincère si vous êtes entre vous, de mon opinion. Et je crois que c'est meilleur de vous laisser de parler sur ces sujets toute seule, en fait, pour dire sincère tous les problèmes que vous avez. Et sincèrement, s'il y a possible pour nous de faire de vous aider dans ces directions, je suis là. C'est toujours, je serai là. OK? Je vous remercie encore et je vous laisse pour les discussions encore une fois. Merci Karine encore et je suis très contente de vous revoir et je vous laisse de continuer la discussion tout entre vous parce que c'est sûr que c'est plus simple entre vous tous. Ok, merci Pondrick aussi pour l'invitation et tout le succès je vous souhaite aussi pour la session, pour l'examen, pour la vie en général. Merci, au revoir et en tout cas, en toutes les situations, je suis avec vous, ok? Vous êtes notre partenaire. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Have a great day. Good luck to everything. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye bye. Et du coup, Karine, par rapport au vécu, là, par rapport au nouveau, le centre de simulation, tu as pu voir beaucoup d'évolutions au niveau des infrastructures de l'université, le bâtiment Léon. C'est vrai que vous n'en avez pas pu beaucoup en profiter, comme ce que disait Pondrick tout à l'heure. Justement, elle est en sixième année, le centre de simulation a ouvert cette année. Je suis très, très contente pour ces améliorations qui ont été apportées, pour ces progrès. Enfin, c'est trop bien. Ça m'a même fait hésiter sur le fait de changer de voie et de partir en médecine. Mais c'est vrai que non, c'est super bien. Franchement, ça avait l'air en tout cas d'être quelque chose qui peut aider dans l'enseignement. Enfin, après, je ne connais pas tout le cursus en médecine. Après, c'est vrai que en représentant le groupe de médecine dentaire, ben, c'est vrai qu'il y a quand même... Il y a quand même eu, voilà, de la part des étudiants, notamment de médecine dentaire, un petit peu de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est vrai qu'ils ont vu toutes les infrastructures qui ont été mises en place pour la médecine. Et c'est vrai que nous, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de ce côté de ces infrastructures-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir eu des investissements dans ce sens-là, puisque... Je pense que pour un enseignement de qualité, ben ça aide beaucoup. Ça fait pas de doute. Après, comme le prorecteur, professeur Iliescu, on m'en a parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont en train d'être faits petit à petit pour les dentaires, où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais ça prend du temps, comme dans tout. Comme le bâtiment Léon, qui a vu le jour, ça fait des années, je pense. Pondrick pourra en attester. Ça fait très, très longtemps qu'il est en construction. Le bâtiment Léon. Et du coup, c'est vrai que ça prendra du temps, mais je pense que c'est très intéressant pour les futures générations qui vont arriver petit à petit. L'université prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids et c'est important. Même les gens, quand ils nous comparent, je pense que vous avez dû le revoir par rapport aux inscriptions, aux futures inscriptions qu'il y a.
Les étudiants demandent beaucoup Cluj, Iași, Bucarest, Cluj, Iași, Bucarest, quelle est la meilleure? Et c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue infrastructure, aujourd'hui, Iași est carrément devant, on peut le dire, hein. Et ça va aller en s'arrangeant de toute façon, ça c'est clair, ça fait pas de doute maintenant qu'ils ont commencé, qu'ils vont continuer. Mais j'espère qu'en effet, pour les nouvelles générations à venir, pour notamment les dentaires, j'espère qu'il y aura aussi des choses positives pour eux, pour que ça puisse aussi les motiver et se dire, bon, on est loin de nos familles, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais on est là pour la bonne cause. Et c'est vrai que c'est l'association aussi, les associations étudiantes essayent aussi de représenter ça dans un bon sens pour aussi motiver les personnes et se dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et voilà, on fait aussi notre maximum, je pense, pour que tout puisse aussi évoluer, tout en représentant la communauté étudiante qui est demandeuse de ces progrès. Et franchement, c'est cool, c'est vraiment bien. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir en discuter. Je pense pour toi aussi, Vlad, c'était ton expérience. C'était intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est justement moldave, qui a quand même la culture, parce que c'est vrai qu'on est en Moldavie, on est en Moldavie quand même, il y a cette culture, cette double culture que tu as acquis, et je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi, par rapport à ça, ton expérience de vie. Yes, Camille, I will answer in English, actually. There are a few Moldavians that are coming in the French or the English session, just the one that are living already in France, for example. We have the example of some friends in the dentistry that they finished, they graduated the high school in London, or the other one in France, in Paris. So they came here to study dentistry. But for the other, it's just like a trampoline to the Europe, because we have a lot of smart people that are really just staying stuck in the Moldavian university, and they for coming in Europe for work here is really difficult, because you need more time to like equivalate your graduation, your diplomas. So actually there are people that are coming from Moldova here in the fourth or fifth year, and they're finishing the graduating the UMFA in Romania, and after they have a European diploma and they can continue their medical life here in Romania. And yes, it's really a really unique experience in French section saying, because as I studied, I'm already finishing the fifth year in the French section general medicine. So I'm really glad to choose the French one. Not the Romanian or the English, it's the same, but it's all about the people that I met there, and I appreciate their friendship. And yes, at the beginning, I think to choose the French one, because maybe I'll go to France to practice medicine there to pass the ECN. But after, I'm thinking now that maybe I'll start here my residency, and after we will see how it will go. Camille, thank you very much for your question. With great pleasure. Je vais t'adresser alors aussi une question. Oui, bien sûr. Dis-moi, quelle était ton expérience ici? Comme tu viens de Paris et comme tu as vu, sûrement tu as vu, je pense que tu as fini aussi le lycée là-bas. Tu as fait le lycée là-bas et tu es venu ici. Exactement. Et mon expérience ici, elle est très bonne, je dirais. C'est vrai que c'est passer d'une très grande ville à une ville moyenne, petite ville, bon, comparé à Paris, je dirais. C'est assez compliqué, mais ça, c'est charme. Je trouve que c'est une ville étudiante qui est quand même importante. Une taille humaine, elle garde une taille humaine avec énormément d'étudiants, parce que la première année, on a quand même eu l'occasion de beaucoup sortir.
de voir d'autres étudiants. Il y a énormément d'étudiants étrangers. C'est une ville cosmopolite. C'est important de le rappeler quand même parce que j'ai rencontré des Espagnols, des Italiens, des Anglais, et d'autres, plein d'autres pays. Et je pense que c'est hyper important. On développe une richesse culturelle ici à Yash qui est super importante. Et ben moi, je suis enchanté d'être ici. J'ai pu voir aussi beaucoup, beaucoup d'évolutions entre le moment où je suis arrivé et aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu énormément, comme je le disais à Karine tout à l'heure, d'envie de progresser et de se dépasser, que ce soit de la part de l'université, du recteur, de l'équipe de conduction et même de certains étudiants qui étaient très motivés pour faire évoluer les choses. Et ben moi, je suis super content d'être ici, je le vis très bien. Le confinement, pour moi, s'est très bien passé ici, plutôt. On pouvait aller au restaurant tout le temps, on pouvait quand même sortir, on pouvait aller se balader, il a fait quand même assez beau. Les restrictions, même si on avait le couvre-feu à 22h, c'était quand même des restrictions assez light, hein. C'était pas très réglementé, on va dire. C'était cool. Donc, on pouvait quand même continuer de se voir avec certains de ses amis. Donc, moi, non, mon expérience ici, même du point de vue professoral, je suis super content. Il y a une très bonne écoute de la part des professeurs. Ils ont l'envie de nous apprendre, ils ont l'envie de collaborer. Ils ont envie qu'on sorte en ayant un bon niveau. Alors que, contrairement à l'université, par exemple, en France, où on doit un peu se débrouiller tout seul, il faut se le rappeler, le professeur fait son cours, si tu as envie d'apprendre, tu apprends, si tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'apprends pas. C'est ton problème, et au final, tu échoues à l'examen. Ici, il y a vraiment une volonté, grâce aux petits groupes qu'on a, de te pousser tout le temps. Donc, effectivement, quelqu'un qui ne veut pas étudier, il n'étudiera pas, qu'on le pousse ou qu'on ne le pousse pas. Donc, ça, c'est clair. Mais je veux dire, il y a vraiment une bonne volonté. Et même par rapport, je pense que Poundrick pourra le dire, hein, les différentes activités qu'on organise, que ce soit les conférences, les workshops, etc., les professeurs ne sont pas payés. C'est sur leur temps personnel. C'est du temps personnel sur lequel ils le prennent. Ils le font toujours avec grand plaisir et ils recommencent. Et je pense que ça montre aussi cette implication de nos profs à nous, qui veulent vraiment faire en sorte... En fait, oui, c'est ça. Ils ne nous voient pas que comme des étudiants, ils nous voient comme des futurs collaborateurs. Et je pense que ça, c'est super important de le signaler. Et c'est ce qui fait que notre expérience de vie ici, elle est plutôt bien, je trouve. Et même par rapport aux discriminations, moi, je n'en ai jamais ressenti. Je pense qu'il y a aussi cette facette-là de la Roumanie qui est pas mal, je trouve. On récompense toujours le travail. Tu es bon, tu réussiras. Tu n'es pas bon, tu réussiras pas. Donc, c'est clair. Il y a le travail, il paye toujours. Et ça, c'est important parce que c'est une forme de reconnaissance aussi. C'est, comme on appelle ça, de la méritocratie. Tu travailles, tu réussis. Tu travailles pas, tu réussis pas. Il y a quand même beaucoup de chances aussi de pouvoir réussir, les rattrapages, les extra-rattrapages. Donc, c'est vrai que ça nous donne... non, et c'est vrai que ça nous donne beaucoup d'occasions. Donc, ceux qui échouent, c'est vraiment qu'ils n'ont pas la volonté d'apprendre, ils n'ont pas la volonté de devenir médecin, parce qu'on est quand même majeur maintenant, la plupart sont majeurs, même quand ils arrivent en première année, il y a très peu de mineurs quand même. Donc c'est vrai que c'est un métier où il faut beaucoup de volonté, c'est un métier où il faut se donner à fond, ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Donc non, je pense que moi personnellement, je vis très bien ici, je suis très content. C'est vrai que il y a moins de trucs à Paris, on ne va pas mentir. Hein. Il y a beaucoup moins de choses, mais la vie, elle est quand même bien. Et cette dimension, cette taille humaine, ça aussi, ça fait du bien. Je pense que ça rassure aussi, parce qu'on est quand même dans un environnement étranger. La barrière de la langue, certes, même si on parle, même si je me débrouille très bien en roumain, il y a quand même... Je veux dire, ce n'est pas un roumain fluide comme toi, tu pourrais l'avoir, par exemple, Vlad. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a toujours cet effort. Par exemple, je sais que l'erreur, comme on dit toujours que l'erreur est formatrice. Et j'ai jamais ressenti un jugement de la part des étudiants roumains ou des profs quand on essaie de leur parler roumain. Au contraire, même si on fait plein d'erreurs, ils ne sont pas là en train de nous juger, ils ne sont pas là en train de nous critiquer parce qu'on parle mal. Ils sont contents qu'on fasse l'effort d'apprendre la langue. Et je pense que ça, c'est super important pour les futurs étudiants même qui voudront venir et même pour nous. C'est s'intégrer pleinement, on n'est pas juste là pour... Moi, je pars du principe que je ne suis pas juste là pour récupérer mon diplôme et partir.
et qu'il faut s'intégrer aussi. C'est pour ça que je m'implique énormément aussi à l'université, vis-à-vis de l'association, vis-à-vis de l'université, les étudiants, etc. Parce que c'est aussi une forme de reconnaissance pour la chance qu'on a d'être ici à l'université. Qu'on le veuille ou non, c'est ce pays qui nous offre la possibilité de réaliser notre rêve. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut continuer de travailler pour que ça s'améliore, mais il y a beaucoup de choses aussi qui vont bien et c'est important de le dire. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Oui, bien sûr que ça va de mieux en mieux et espérons que notre futur collègue qui vient, les plus petits, ils vont avoir la possibilité de juste d'essayer tout ce qui est neuf et tout ce qui est bien. Et on a ici une question en français sur le chat. Bonjour, je souhaiterais étudier à IH. Est-ce oui. que l'admission est compliquée? Il existe des interlocuteurs francophones afin de nous accompagner dans toute démarche administrative? Oui, j'étais en train de répondre justement par texte. Okay. Du coup, pour la section française, vous pouvez contacter la page de l'association. Pour la section anglaise, vous pouvez contacter la page de l'EMSA aussi. Vous pouvez contacter les étudiants. On aide beaucoup les étudiants à s'inscrire dans les démarches d'inscription. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Le dossier, il n'est pas très compliqué. C'est vrai qu'il paraît qu'il y a beaucoup de papiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers, mais ce n'est pas très compliqué en vrai. C'est des papiers basiques en fait, pour une inscription. Et en plus, vous avez plutôt de la chance, les nouveaux étudiants, tout se fait en ligne, 100% en ligne. Et c'est uniquement si vous êtes accepté à l'université que vous aurez besoin de ramener votre dossier en version papier le jour de l'inscription. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Tu as d'autres questions, toi, Vlad? Et là, MSFI avec un F. Oui, pour oui j'étais en train de le taper, en fait, justement. Super. Après, au niveau de l'admission, si l'admission est compliquée, ça reste quand même une sélection de dossiers. Donc, vous êtes un certain nombre à présenter votre dossier. Donc, forcément, c'est on va dire une sorte de concours de dossiers. Donc, forcément, c'est pas que c'est compliqué ou facile, hein, mais dans la vie, il n'y a rien qui est facile, je pense. Et si on veut obtenir quelque chose dans la vie, il faut toujours se donner les moyens de réussir. Et même si, admettons, ça ne marche pas pour cette année, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les années suivantes. Donc, voilà, en tout cas, bon courage pour faire le dossier, puisqu'en effet, comme disait Camille, il y a beaucoup de papiers. Moi, je sais que je n'ai pas fait mon dossier toute seule et heureusement que j'ai été aidée. Lisez bien, tout est aussi affiché sur le site de l'université. Donc, voilà, et n'hésitez pas à contacter la page des associations, puisqu'on est aussi là pour vous guider et répondre à vos questions le plus précisément possible. Thank you so much for this meeting, Pondrik. Thank you so much, Camille. It was a yeah. great pleasure. Merci beaucoup, Vlad. You mentioned a little bit about your experience in French. I would like a brief, just a little brief thing in English as well about your, as you are from Paris and you came to Yash, and how has it been for you? It was a little hard in first. It was a little hard because to pass in a little city when you came from Paris, it's a lot of change. But I love this city because this is a cosmopolitan and multiculturalism city. And we have great opportunities to have a new meeting with students from Spain, from Italy, from you know, Norway, Canadian and people. And for me, it's a very good experience. And I'm very happy to be here and to do a lot of activities with our associations.
And oh, it's I don't know. I'm happy to be here. Yes, as a student, it's very important to travel, to do extracurricular activities. You know, with our associations, we all everything that we try to give. And I mean, with COVID, it's been a little difficult, but we're trying. We're trying our best. And but with that, if I think we'd just like to thank everyone for coming and joining us today. If there's no other questions. Andrik, thank you very much to you and to Camille and to Karina, to Richard. And yes. Thank you so much, Vlad, for joining us. Thank you so much, Oana, Ugeag, și Ivona, și Tudor pentru acest eveniment. Și seara bună tuturor. Yes, thank you so much for taking time out and to merci beaucoup aux participants. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Good bye bye. Goodbye. Study well. Bonne chance pour la session des examens. Yes, merci. Yes. Good luck for the exam.